aujourd'hui, on sort le petit vieux. Non, pas moi. De Magog, on est rendu à Montréal. On est venu aujourd'hui chez Tigerboard chercher notre paddleboard. Le note a été cassé quand le mât a tombé. Puis on a conté notre histoire à Tigerboard, puis ça l'a vraiment intéressé. Puis là, ils nous ont offert un paddleboard gonflable, fait que parfait pour la van life. Fait qu'on s'en vient chercher aujourd'hui. Ce que David ne sait pas, c'est qu'on ne vient pas chercher un paddleboard gonflable, on vient chercher un surf. Tigerboard m'ont offert un surf. Donc, il va triper parce qu'il a vraiment le goût d'apprendre à faire du surf. Il trouve ça beau sur un Westfalia, c'est sûr, ça fit. Mais là, lui, il pense qu'on vient chercher un paddleboard, mais dans le fond, on s'en vient chercher un surf pour lui. Fait que j'espère qu'il va être content. Fait que il avait pas prévu le coup. Fait qu'on n'a pas de, on n'avait pas prévu le coup. Fait qu'on n'a pas de, de strap pour la mettre. Mais je savais qu'elle rentrait dedans pareil au moins là. Ouh! On va pouvoir prendre la fête surf. Hey, ça va être beau ça. Top to best. C'était carré. Fait qu'un gros merci à Tigerboard. On a hâte d'essayer ça. Ben, David a hâte d'essayer ça, là. Puis moi, ben, j'ai hâte de le regarder apprendre. Me planter. Hier, avec David, on a terminé le plancher. Aujourd'hui, on s'en va chez mes parents pour utiliser les outils à mon père, pour terminer les murs, faire des petites tablettes, des trucs comme ça, là, des petites touches de finition. Tu sais, ce que j'adore, là. Ben, on est rendu là. Fait qu'on s'en va chez mes parents pour profiter de la commodité, de leurs outils puis de leur savoir-faire pour améliorer l'intérieur de notre boss. Il me reste juste à peinturer, c'est fait, c'est fini. On a des beaux murs, puis j'ai ma belle tablette. Fait que je suis bien contente. Fait que là, ben demain j'ai l'ouvrage, faut que je peinture. Thank you.
profite de mettre l'essence ici. Elle est moins chère puisqu'on est sur le bord des lignes américaines. Ce matin, j'ai de quoi vous avouer. Mary a commencé à me mettre beaucoup de pression. Je pense qu'elle est rendue vraiment à sa limite de tolérance. Ma barbe est rendue trop longue. Mais je suis habitué, quand j'étais en mode préparation, de me laisser pousser la barbe. Ça me fait penser à l'hiver, quand mon père il faisait des heures supplémentaires. Quand il travaillait plus fort, il se laissait tout le temps pousser la barbe. Puis, je sais pas, on dirait que j'ai gardé cette habitude-là. Mais la première fois, comme sur le ska, j'étais tout seul. Je pouvais me permettre de me laisser la barbe plus longue. Mais là, Mary, elle veut pas. Mais il n'y a pas juste ça. Hier, Mary, elle a fini de peinturer l'intérieur des murs de notre ouest. Là, aujourd'hui, je dois aller les installer. Mais il fait froid. Ouais, il fait 7 degrés. Au moins, il n'y a pas de pluie. Mais je vais aller essayer de finir nos murs, l'intérieur du ouest. Puis après ça, qu'on va pouvoir procéder à l'installation électrique, qui est un peu plus mon anane. Je vais mettre à casser ce mur-là le premier. C'est le plus facile. C'est lui qui rentre sans résistance et le moins de chances de graffier la nouvelle peinture que Mireille a fait. Mais j'ai bien hâte d'avoir la finition pour qu'on puisse cacher tout ça ici. On n'a pas isolé l'intérieur parce que on risque vraiment pas d'en avoir besoin. On souhaite plus d'aller vers le sud où il fait le plus chaud possible. C'est pour ça qu'on ne veut pas isoler. Puis s'il fait trop froid, ben on va se tasser plus vers où il fait chaud. Il y a une autre question aussi, c'est le temps et l'argent. Tout ça, la rénovation coûte des sous. On fait une petite rénovation à l'intérieur, vraiment à petit budget. Ça n'empêchera pas la fonctionnalité de la vanne avant ce recul et on pourra dormir dedans quand même. Ici, la vie va se passer à l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'on a le taux vent. Ça fait peu d'extension à notre espace de vie. Ça fait un petit salon. Là-bas, ça arrive. Chut. Ah, c'est trop cher. La frite. Bien, côté de frite. Comment tu trouves ça? C'est beau. Ouais, ça fait clean. Il y a un petit accoudoir qui va ici. Pas beau. Non, là, je vais m'attaquer à l'autre côté. Désolé bébé, tu vas avoir des retouches de peinture. J'ai fini pour aujourd'hui.
Non, c'est pas vrai. Il me reste une autre chose à régler que ma femme m'a demandé, qu'il faut pas que j'oublie. Je pense qu'elle va être contente.